Sa voiture avait été modifiée. Cette Peugeot, qui est arrivée dans sa 22e année, n'a pu résister à l'incendie. C'est la grande tendance aujourd'hui de tuner sa voiture, de tout changer ou d'apporter des modifications sur le phare ou autre partie. C'est une pratique dangereuse, commente Logadasen Pilenarainen, directeur d'un garage et spécialiste en rapport d'expertise automobile. Cet expert montre également du doigt certains gérants de magasins de pièces de rechange. Il y a un peu qui nous gagne, nous gagne un véhicule, il prend du fait. Après, en cas qui examine un véhicule, il y a des autres comme ça, la machine peut prendre du fait, il y a un fort qui se permet de faire un HID, qui saute la chine. Ben fort là, et un ventilateur à l'arrière, c'est-à-dire l'eau à l'ampoule. Ça ventilateur là bloqué, les là qui ne fait pas. Je peux tout beaucoup ben fort qui peut vendre soit 600, 800 HID. Ça maintenant pas conseillé mettez du tout. Beaucoup véhicules ils prennent différents. Et la cliente c'est à l'OIB, le AliExpress. Il y a certaines boîtiers, ils remettent les pour faire les gains sur la mosse. Elle peut plus 30 km à l'air, plus qui bizarre. C'est une machine qui est sans cesse. Vous pouvez faire les vins CSS. Premier affaire, ce frein, il part pour pareil. Il n'est pas calibré pour ça quand c'est cesse. Machine au lieu de paraître 100 mètres, il ne paraît pas 100 mètres, il parle de 400 mètres, les lèvres qui nous tout bancaté accident fatal.